Salut, c'est Boisdin! Dans cette vidéo, je vais me faire une icône. Regardez comme elle est belle. Bien entendu, ce n'est pas une vraie peinture, c'est une affiche, tout simplement, que j'ai trouvée à la braderie de Lille, d'ailleurs. 2 balles, 2 euros, donc je l'ai prise. Car je me suis dit que ça serait sympa de faire, justement, une vidéo où je la redesign, je la relook, je la transforme. Et pour ce faire, je ne vais utiliser que du blanc, du rouge, du jaune et du noir, que ce soit au Posca ou à la peinture. Et j'ai aussi utilisé du masking tape. Le masking tape, c'est chouettos, ça colle. Et ça décolle. Ah, maintenant que tout est clair, c'est parti sur une petite musique de Pendresse.
Et voilà, cette transformation relooking de la Vierge à l'enfant est terminée. J'espère que vous aimez le résultat, moi je l'aime beaucoup. Au pire, si vous l'aimez pas, c'est pas grave, c'est pas chez vous qu'elle sera. Quoique, je sais pas encore quoi en faire. Est-ce que je la vends? Est-ce que je la garde pour l'exposer et la vendre plus tard? Est-ce que je l'expose chez moi? Je sais pas encore. Parce que c'est le deuxième tableau que je fais, hein. Rappelez-vous, dans un 2 heures pour dessiner, j'avais déjà fait un tableau avec des frites, toujours. Bon, là, j'ai pas pu m'empêcher d'en remettre. C'est un peu mon leitmotiv. Des frites partout, même sur mon t-shirt. En faisant cette deuxième peinture, j'ai appris, encore une fois, plein de choses. C'est que ma deuxième, j'ai appris, par exemple, que je ne peindrai plus jamais par terre. Je me suis défoncé les mains, les genoux, les coudes. J'ai mal au dos. Enfin bref, c'était une catastrophe. La prochaine fois, je referai ça sur une table. J'ai aussi appris qu'il faut faire attention au matériel, au matériau sur lequel tu peins. Parce que là, comme c'était plutôt lisse et que c'est pas une toile, eh ben, j'ai dû mettre genre 4 couches de jaune. Il y en a 2 que je vous ai épargnées. Parce que vous, avec la caméra, vous faites pas la différence. Putain de voiture! Merde, je sais plus ce que je disais, voilà. Le matériel, donc je ferai attention la prochaine fois. J'ai aussi appris, enfin plutôt confirmé, qu'en peinture, comme en dessin, j'aime les choses, les traits bien droits, les choses bien rectilignes, bien nettes, comme on peut le voir. Hein. Donc c'est pas moi qui vais commencer à utiliser voiture. C'est pas moi qui vais commencer à utiliser de la peinture à l'huile et de commencer à mélanger des trucs, etc. Non, je crois que ça me rendrait fou, comme les voitures. Et voilà, il est temps de terminer cette vidéo. J'espère que vous avez aimé la peinture. Dites-moi ce que vous en pensez. Mettez un gros pouce vers le haut. Cliquez sur ma tête pour vous abonner. Cliquez sur mon t-shirt pour regarder une autre vidéo. Je vais mettre le lien Tipeee à peu près ici. Merci beaucoup à tous les tipeurs. N'hésitez pas à me soutenir si vous le pouvez. Et mangez des frites!